on s'est mis juste à côté du Starbucks, là, juste derrière, en se disant qu'au moins on est juste à côté, et en fait, ben, ça n'ouvre pas. Donc, si je vais à un Starbucks, il faut aller tout là-bas, l'autre côté du bateau, et juste. Grosse flemme. Et juste derrière moi, je sais pas si on va aller voir. Enfin, bref, donc. 4h57, et on a 1h30 à peu près de transport, j'allais dire, de traverser. Et bah voilà, donc je croise le temps quand même pour qu'il ouvre, parce que là, en plus il y a des gâteaux dans la vitrine, enfin voilà. Bah allez, à tout à l'heure. Ah oui, puis j'ai pas précisé, j'ai les yeux super défoncés, alors faut pas faire attention. Voilà. Go. Donc il est 6h15 et là on va enfin sortir du ferry, et ça c'est mon amoureux. Donc finalement j'ai pris un Starbucks à l'opposé de là où on était, et je suis tombée sur une classe de filles anglaises qui étaient sûrement parties au ski. Bref, elles étaient 17 devant moi, je pétais un plomb, on faisait chanter et tout, enfin bref. Donc là on est parti pour aller faire la route, et on va sûrement s'arrêter dans un Starbucks pas très loin. Il est 7h29, on vient de faire la première pause pipi, et regardez ce que j'ai trouvé. Enfin non, c'est mon amour, il l'a trouvé. Ah, hippopo. Pour ceux qui savent, en fait j'adore les hippopos, et donc du coup voilà, c'était impossible de le laisser là. En plus regardez, il y a des petits boutons. Enfin voilà. Donc là il reste 80 km. Il reste 80 km, 7h29. Bon, je pense qu'on y arrivera vachement avant, mais au moins on pourra bien se poser au Starbucks. Donc voilà, à tout à l'heure. Et on est au Starbucks. 25 heures française. Heure française. En fait, on s'est tapé la honte. En fait, on est arrivé devant les studios, il était 8h09 pour être précis, heure anglaise. Et nous, on était à fond. On se dit, on y va. Et en fait, le mec, il nous a regardé genre, non, tu rentres pas. Donc du coup, on s'est dit, bah tant pis, on va au Starbucks. Et du coup, on y est. Et c'est environ 6 km des studios. C'est trop mignon. Enfin, voilà. Et la vendeuse, elle nous a regardé genre vraiment bizarre, quoi. Quand t'as dit. Elle t'a regardé genre qu'est-ce qu'il nous fait celui-là. Bref. Et donc du coup voilà. J'ai toujours les yeux défoncés. Tout va bien. Quelque chose à rajouter? Non. Bon, merci. Bah à tout à l'heure alors, quand. Devant les studios. Ça y est, on est arrivé. Il est 9h30, je crois. Il est 9h30 et regardez comme c'est trop beau. Et donc là on est arrivé une demi-heure à l'avance, donc on verra. Donc on verra si on peut rentrer avant ou pas. Et enfin voilà, donc je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible. Et donc là il va chercher les tickets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait il faut prendre les tickets à la machine.
Et les gens ils me regardent trop bizarre parce que j'ai mis ma cape. Donc c'est les machines juste à côté des guichets. Je crois la journée ils sont ouverts mais je suis pas sûre. Enfin je sais pas pourquoi c'est pas ouvert. Enfin bref. Oui. Il est 10h34 heure anglaise et on est dans la grande salle. Donc ça y est, on est dans les studios. Et maintenant bah, on va profiter de chaque petit détail, chaque truc qui sera écrit. De toute façon je vous prends 10 minutes photo au moins. Et puis bah, on va bien prendre le temps histoire de bien profiter. Et puis bah voilà. A tout à l'heure. Salut, j'avais déjà. Là, la grande salle, elle est juste ici à côté et maintenant bah, on continue la visite. Et en fait, j'ai trop faim, donc je crois qu'on va manger un sandwich. Non. J'ai trop la dalle. Là-bas, il y a toute une table en chocolat. Bon allez, on vous retrouve tout à l'heure. Là-bas, on peut voir les murs de la grande salle, de derrière. La visite, elle commence par là. Et puis on a les décors. Juste là-bas, on a la chambre de Harry et de Ron. Et ici, on a toutes les baguettes. Je trouve ça trop beau. Les baguettes. Le miroir de Lisette. Juste là, on le voit pas, mais il y a le cadre de la maison commune des Condors. Alors là, juste là, on a la maison commune. Ici. On passe un petit peu. Amy Gordon et Florian qui mangent un chips. Mais, trop la dalle. Sinon, elle aurait pu prendre toutes les dames qui sont là. Mais, et puis, un petit coup de tarte. Mais bon, on a remarqué qu'elles étaient fausses, donc bah, c'est la merde. Et ça, c'est les trucs qui mettent tous les. Là. Oui, ils mettent quoi? Les toasts, ah oui, c'est vrai, ouais, ça fait tout le monde être là. Ouais. Oh. Et coucou. Bonjour. Mais avec mon amoureux, forcément. Et regardez derrière moi, pas derrière nous. Donc là, on est. La salle des potions. La salle des potions, et on avance tout doucement. On profite de voir chaque détail, etc. Et pour dire que je prends tellement de photos qu'il me reste que deux bâtons. On a essayé de prendre la recette d'une photo. Donc bon. Eh, c'est pas la moi qui doit écraser là, dans le film. Si, bizarre. C'est très dur à écraser. Donc voilà, donc là on va se poser un peu sur un banc et est-ce que j'ai un coup de barre. Bref, à tout à l'heure. Alors là c'est la nouvelle partie, le Dark Art je crois que ça s'appelle. Et bref, je crois que c'est mon décor préféré maintenant. C'est trop beau. C'est super beau, ouais. Vous verrez les photos, c'est juste trop trop bien. On a vraiment l'impression d'y être, enfin vous voyez un peu le truc. C'est magnifique. C'est trop beau, je sais pas si on va aller voir de là. Mais bref, c'est trop trop beau. Tu me filmes ? Alors on s'est arrêté parce qu'il y avait des bancs, enfin c'était un truc en plus de la dernière fois. Alors oui, la dernière fois quand même, elle a dit qu'on pouvait pas manger dans les studios. Et en fait, je vous ai menti dans l'article. En fait, depuis qu'on est revenu, en fait la dernière fois il y avait des trucs en travaux et à mon avis c'est ça en fait. Bah oui, c'est ça, forcément. Et ils ont fait un backlog café.
coffee. En fait, on peut manger steak, frites, etc. etc. C'est assez sympa. T'as le Starbucks et t'as toujours la bière au beurre qui est dispo comme avant. Ouais. Ils ont juste rajouté un snack en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut manger au chaud quoi. Voilà. Et là, regardez, c'est la première bière au beurre que je vais goûter. J'ai trop peur. En surplus, on a une superbe vue sur Private Drive. Ah, plus loin, Private Drive. Bon, je vais goûter et je vous dis. Vas-y, goûte, je te filme. On va goûter la bière au beurre. C'est bon, c'est parti, hein. Eh ben, c'est pas mal. C'est spécial, mais c'est bon. C'est plutôt pas mal. On sent super bien la crème. Par contre, le truc en dessous, j'arrive pas à dire ce que c'est. C'est sucré, ça pétille fort. Et t'as vu la. En fait, la mousse, enfin le truc, elle va dans le fond du verre, du coup. Une petite crème ? Bah, regarde. Ouais, sur ma bouche. Ah, non. Mais regarde, tu vois, ça descend. À moi, à la boîte. Ça fait une drôle de tête, en tout cas. Hein. En fait, je suis. En fait, t'as raison, on sent beaucoup la crème. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est en fait. Ouais, ouais, c'est bizarre. On dirait un peu comme du. Un peu comme du cidre en fait, tu vois. Un peu comme le truc à la pomme. Bah, tu vois, j'allais dire plus de l'eau gazeuse ou tu sais, genre la limonade ou je sais pas quoi. Et avec autre chose de. Enfin, je sais pas. En fait, c'est tout simplement de la bière au beurre. C'est de la bière et du beurre. Ça te laisse mais dubitatif. C'est... Ouais, mais c'est franchement bon quand même. Il est 14h47 en France et bah ça y est, on va partir des studios. On est là depuis 9h30 je crois. Yes. Donc donc on a profité à fond. J'ai aussi acheté plein de trucs. J'ai eu un cadeau pour mon amoureux. Mais je vais rien montrer dans cette vidéo, ni. Enfin voilà, ça attendra l'article sur la boutique. Donc voilà, dernière image avec les studios derrière moi. Donc, la voiture. Donc là, nous on va retourner au Starbucks de l'aéroport pour pouvoir se poser un peu parce que c'est assez crevant. Et puis ben voilà quoi. On va. Mais non, mais en fait, on sait pas encore ce qu'on va faire après, donc on verra. Donc, affaire à suivre. Hello, il est quelle heure? Il est tard. Alors, en fait là, comme on a un tout petit. C'est bizarre. En Angleterre, on roule à gauche, mais il met quand même jusqu'à la porte et descend à droite. C'est vrai. Comme on a un peu de temps devant nous, j'arrive pas à t'avoir. Du coup, comme il y avait un Primark pas loin, du coup, on fait une petite escale, mais vraiment rapido parce que j'ai jamais été à Primark. Donc voilà, et regardez comment c'est trop beau. Ouais, c'est un centre commercial, mais je sais pas, je chante. On est au centre commercial de Watford. Watford. Et que le parking. C'est super proche des studios. Et par contre, le parking, c'est very la merde. C'est very la merde. Donc voilà, donc je vous revlog. C'est very la merde, mais quand on a trouvé, c'est facile quoi. En plus, c'est Primark, pas cher, il est là-bas. C'est un livre l'heure. Il est là-bas. Ah bah, c'est cool. Bon, on rebloque tout à l'heure, sûrement quand on sera dans la voiture.
karting de Folkestone. Et bah voilà, rien de spécial. Là, en fait, on attend l'heure pour pouvoir aller au ferry. Sauf que c'est que dans une heure, il me semble. Donc bah, on va squatter, je pense. Non, bah, c'est ça, même pas dans deux heures. On va squatter et puis bon, du coup je vais écrire dans mon cahier. Puis bah, on se retrouve peut-être dans le bateau sûrement. A plus. Alors en fait je vous ai raconté que de la merde parce qu'en fait on n'a pas compté le décalage horaire, donc il faut qu'on squatte là pendant 3 heures. Donc on va trouver un moyen pour aller... Préciser que la dernière fois on avait pris les devants parce qu'on avait eu 5 heures de bouchon. Je peux finir mon explication ? En fait on avait pris tard aujourd'hui parce que la dernière fois on avait mis plus de 5 heures pour revenir des studios au ferry. Sauf que là on a mis le temps normal, donc on a mis quoi, 2 heures ? 2 heures et demie. Et du coup ben, on est trop à l'avance. Donc je crois qu'on va aller quelque part finalement au niveau du ferry et trouver un moyen pour rentrer et squatter là-bas, je sais pas encore. On verra où le vent nous mène. Ça y est, on est rentré. Il est juste tout juste. Minuit 3, on vient juste de monter à la part. Et là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me laver et de me coucher et de dormir. Il n'y a pas d'autre mot. On est levé depuis ce matin 3h, donc imaginez un peu la fatigue, d'où mes yeux encore bien foncés. En tout cas voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Promis, je vous montre très vite tout ce que j'ai acheté au niveau de la boutique et surtout vous montrer les nouveautés qu'il y a eu au studio et vous raconter un peu vraiment ma journée de ce qui s'est vraiment passé là-bas parce que en fait, je suis vraiment accostée par plein de gens et tout, enfin, c'est trop rigolo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment. Et je vous dis à très vite. Bisous!